Ok, eh ben, on va commencer déjà par une petite présentation des personnages. Histoire de se mettre un petit peu en jambes. Et ben, je vais commencer par l'ordre des avatars que j'ai là-haut. Donc on va commencer par Urn. Présente-nous ton personnage. Ok, bah Earn Kiefer, donc 21 ans, jeune homme plutôt musclé, voilà, vous le connaissez. Il a un passé plutôt pas facile, disons, puisqu'il a un jeune fils de 5 ans qui s'appelle Cody, qui lui est avec sa copine de l'époque, qui est maintenant étudiante en droit. Et ce bon Earn était membre, quand il était plus jeune, du gang Black Souls, donc de Northbrook. Et voilà, il a fait des activités pas très légales. Et donc, il a fini par intégrer un centre de détention. Et ensuite, à faire du... Il a un papa génial, mais tu ne le sais pas encore. Et donc, ensuite, il est passé en détention provisoire avec un bracelet électronique. Et donc, voilà, la vie n'est pas facile pour ce cher Earn, pardon. Mais il a pu compter récemment sur sa cousine Cynthia, avec qui il essaie de renouer quelques liens, voilà, de jeunesse. Et donc, il a été embauché dans une pizzeria dans le cher centre de Sorensen, ce monsieur Bruce Sorensen. Et il a appris à vous côtoyer tous les trois. Et si vous avez des questions, je peux y répondre tout de suite. Oui, c'est vrai. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions par rapport à Earn, par rapport à vos relations ou des questions, n'importe quoi en fait? On a quand même pas mal parlé en amont de Ouais. la salle. Oui, Du coup, je très crois très bien. qu'on est à peu près OK. Eh bah, parfait alors. Et on va passer à Cynthia du coup. Oui. Et bien, du coup, moi, c'est Cynthia Kiefer. Je suis la cousine de Earn. Je sais même plus quel âge j'ai, je crois que j'ai 19 ans. ça fait un an que j'ai fini le lycée et que je travaille du coup dans ce maudit centre commercial que je déteste au plus haut point. Mais il faut que je fasse des économies pour pouvoir partir à l'université parce que ma famille est très pauvre. J'ai grandi avec mes deux parents et mes cinq petits frères et sœurs à être un peu une mère suppléante, parce que ma mère enchaînait les petits boulots et que mon père était plus souvent au pub en bas pour essayer d'oublier un peu tout le malheur de notre vie. Et du coup, vis-à-vis de Earn, on m'a toujours dit, faut pas que tu finisses comme ton cousin. Donc j'ai toujours été un peu la petite fille modèle, alors que ben à l'école, je me faisais pas mal bully parce que ben je suis une meuf noire et en plus je suis une meuf grosse et que bah à l'école, je m'en suis pris plein la gueule jusqu'au jour où la merveilleuse Riley m'a défendue et a donné un bon gros coup dans la gueule du gars qui me bouliait, ce qui a calmé pas mal des choses au quotidien. Donc du coup, moi, j'ai du mal à me défendre moi-même. Souvent, je me laisse un peu écraser par tout le monde. Mais par contre, je donnerais ma vie pour défendre ma meilleure amie, Amanda, qui est une meuf trans dont j'ai suivi. On est amies depuis la toute petite enfance et j'ai suivi sa transition. Je l'ai accompagnée et c'est vraiment mon âme sœur. Et je donnerais ma vie pour elle, même si mon cœur bat pour une autre. Mais on verra ça plus tard. Donc, Scott, c'est à toi, sauf si vous avez des questions pour Cynthia. Sinon, Scott, tu peux y aller. Pas de questions, du coup. Ok, alors, du coup, je suis Scott, j'ai 17 ans. Je suis clairement le mec le plus banal que vous puissiez croiser dans un couloir. D'ailleurs, généralement, on me voit juste pas. J'ai pas d'histoire familiale dramatique. Je suis vraiment juste un monsieur tout le monde. Je parle pas beaucoup, mais je suis pas méchant. Je suis pas genre agressif ou quoi. Je suis pas un cancre. Je suis moyen absolument dans tout. Je change de hobby un peu comme les jours viennent. Et si je me retrouve à travailler dans ce centre commercial, c'est parce que j'ai besoin d'économiser de l'argent.
Pas que mes parents ne veuillent pas m'en donner, mais j'estime que il vaut mieux le garder, enfin le gagner par soi-même. Mais voilà, je suis juste là, j'existe et c'est tout. Et après, je connais mes collègues parce que on se croise forcément dans ce maudit centre commercial. Même si je n'ai absolument aucun problème parce que je suis invisible. J'aime beaucoup Riley parce que c'est chill avec elle. Et j'aime beaucoup Earn aussi parce qu'on papote bien. Et je ne sais pas trop si on se connaît avec Cynthia, mais on a dû se voir de temps en temps, on se croise ensemble de temps en temps, mais sans plus quoi, on parle pas trop. Voilà. Deux introvertis ensemble, ça ne marche pas quoi. Exactement. Et en plus, ce côté trop invisible, elle ne l'a jamais vu en fait. Elle n'existe pas. Riley. Et voilà. C'est à toi. Alors, moi du coup, je suis Riley. Apparemment, tout le monde m'adore. J'ai 18 ans. J'ai un petit frère qui s'appelle Kai, qui a 16 ans. Et on vit tous les deux seuls avec notre père, Bradley, qui est gynécologue. Parce que notre maman est morte quand on était petits. Donc on est tous les deux... notre maman était coréenne, donc on est tous les deux asiatiques, Kai et moi. Kai a pu avoir quelques petits problèmes au lycée avec quelques personnes pas très sympathiques et racistes, mais il n'a pas à s'en faire puisque je suis quelqu'un d'extrêmement protecteur avec lui, protectrice avec lui. Et je n'hésite pas à donner des coups de skateboard à quiconque se prend à lui ou s'en prend d'ailleurs aux autres, puisque je ne supporte pas le harcèlement. Je suis un petit peu tête brûlée, je m'en fiche un petit peu du regard des autres. Je ne me prends pas trop la tête. Et je travaille dans ce centre commercial parce que mon cher père m'a dit que je devais apprendre la valeur du travail. Donc ça ne me ravit pas. Surtout que je ne m'entends pas très bien avec les fils du patron. Mais je vais travailler jour après jour au rayon skateboard du magasin de sport. Et j'ai aussi deux amis proches qui s'appellent Noah et Christina, qui sont les gens avec qui je traîne la plupart du temps. Ok. Et effectivement, vous travaillez tous dans ce centre commercial, dont le nom, vous l'aviez choisi d'ailleurs, est-ce que vous pouvez me le rappeler? Soren Mall. Soren Mall, oui. Le Soren Mall, effectivement. Donc, un grand complexe, très grand même pour la petite ville que vous êtes, mais... pourtant, qui a l'air de marcher très très bien. On pourrait croire que dans un endroit comme celui-ci, qui n'est pas une grande ville ou quoi que ce soit, c'est un petit peu inutile, un complexe de cette taille, et pourtant c'est vraiment un endroit qui fournit un petit peu tout à tout le monde, et en premier lieu qui fournit de l'emploi à beaucoup, dont vous d'ailleurs. Vous avez effectivement sans doute tous... Peut-être moins Scott, justement, eu maille à partir avec les Sorenson qui faisaient partie des aînés au lycée et qui maintenant sont devenus vos patrons. Vu que ça fait partie de l'entreprise de papa et donc ils ont pris la suite. Ce sont les sous-chefs de l'entreprise. Donc ceux à qui vous avez affaire dès qu'il y a le moindre petit truc. Scott, t'as toujours été tranquille, toi, à ce niveau-là. Ah oui. J'arrive pas à savoir lequel j'ai le plus envie de baffer. Écoute, nous verrons. Moi, j'ai déjà baffé Rudy. Toi, tu as déjà baffé Rudy, et c'est pour ça qu'il il évite... d'être trop agressif avec toi quand vous êtes tout seul, mais bon, ça reste du passé. Il s'est repris depuis, puis maintenant tu n'es qu'une employée, donc
Il y a sans doute que avec Earn où c'est un petit peu plus compliqué pour lui de jouer les gros bras. Il y a le côté un petit peu extolar qui est là. Ouais, je fais pas le Pierre, ouais, clairement. Mais c'est suffisant quand même pour faire en sorte que tu es relativement tranquille. Mais tu sais aussi, comme eux, que au moindre souci, bah, t'auras bien plus de problèmes que eux. Non. Ouais. Le racisme. Vous travaillez là-dedans depuis combien de temps à peu près? Moi, ça fait plus d'un an que je suis là. Ça fait depuis la fin de mon lycée. Je pense que je suis là depuis le plus longtemps, d'ailleurs. Mais à vous de me dire. Moi, je pense que ça fait un petit... Depuis la rentrée, peut-être un petit 8 mois, un truc comme ça, quoi. Enfin, la rentrée dernière. Ouais, moi, mon max, je pense. Ouais, à peu près pareil. Ok. Très bien. Non. Donc, la plus ancienne, c'est toi, Cynthia, dans ce travail. Donc, tu as je travaille chez le glacier. Oh, oui, c'est vrai, tu l'avais pas précisé. Alors, Earn, c'est à la pizzeria, Cynthia chez le glacier. Scott est en bout de tapis roulant pour emballer les courses. Voilà. Ouais, tout aussi invisible que son métier. C'est parfait. Et tandis que Riley est aux vêtements. Il y a plein de choses dans ce centre commercial. Il y a vraiment beaucoup de boutiques. Vous ne connaissez pas, malgré le temps que vous avez pu passer ici, hein, même toi, Cynthia. Tu connais pas tout le monde, tu connais pas tous ceux qui y travaillent. Vous connaissez bien entendu les Sorensen. Sorensen senior, lui, vous le voyez très peu. Vous avez dû le voir peut-être à la soirée d'inauguration d'une nouvelle équipe de travail, ce genre de choses, mais sinon, il est dans son bureau. Et vous connaissez aussi tous Hank qui s'occupe du ménage de nuit, généralement. Donc vous le croisez quand vous faites la fermeture, comme ça va être le cas ce soir. C'est un homme... Un peu gars sûr, non ? Bah, c'est un homme assez bougon, assez dans son truc. Lui, il est là depuis, il semble, en tout cas, presque l'origine du magasin, si ce n'est l'origine de la ville, enfin bref. Même quand vous étiez gamin, il a toujours été là. Et vous avez beaucoup d'employés, et c'est vrai que récemment, il y a plein de nouvelles têtes que vous ne connaissez pas. Même de Northbrook, votre ville, vous ne les avez jamais vues. Sans doute, le magasin emploie-t-il aussi des gens qui viennent d'autres villes. C'est vraiment un très gros complexe. Et là, donc, ce soir... Vous êtes malheureusement tous de fermeture. Mais pour l'instant, c'est encore l'après-midi, c'est la journée de travail. Et c'est long. C'est vraiment le genre d'ambiance qui peut être très pesante, très épuisante, même si parfois, selon l'emploi que vous avez, physiquement, c'est pas non plus le plus dur, mais moralement, c'est vraiment... les tâches répétitives, de voir autant de gens qui défilent, qui sont sans aucune considération pour vous. Il y a les cris aussi dans les allées. Il y a beaucoup de jeunes que vous connaissez qui sont par là, qui viennent traîner quand ils ont un peu de temps libre. C'est bruyant et c'est très agaçant, sauf encore une fois peut-être pour toi, Scott, qui t'étais un petit peu dans ton monde. Oui, clairement. Et j'ai toujours une oreillette dans l'oreille, du coup. Mais sinon, ouais, enfin, je fais mon taf et puis effectivement, malgré le bruit, les gens... L'oreillette, c'est dans l'oreille. Oui. C'est mieux. C'est, en tout cas, on entend mieux après. Étonnamment, c'est quelque chose... vous tous, vous avez pu le remarquer. Scott, il va avoir son oreillette et tout, il est à la cool. Et personne ne l'emmerde jamais pour ça. Vous savez très bien que n'importe lequel d'entre vous qui ferait ça, il aurait de gros problèmes, que ce soit avec les Sorensen ou quelqu'un d'autre. Ça passerait pas. Scott, pas de problème.
Est-ce que c'est parce qu'il est invisible ou est-ce que c'est encore une fois du racisme? Telle est la question. Je sais pas s'il s'est posé la question, honnêtement. Mais n'est-ce pas là le privilège blanc? Vous pouvez en tirer les conclusions que vous souhaitez. Toujours est-il que effectivement, Scott, personne l'emmerde. Par contre, il y a d'autres employés et eux non plus ne font pas ça. Qu'ils soient de n'importe quelle origine, ça ne change pas. Il y a vraiment que Scott qui. Il est juste invisible. Non, mais tant mieux pour lui, hein, en vrai. Je n'existe pas. C'est une non-existence. J'hésite entre être triste pour toi ou être jalouse, tu vois. Alors, c'est l'effet. C'est normal. Je vais repasser. Dans son contrat, il peut avoir une oreillette en fait, on ne sait pas. Il a signé un contrat personnalisé. En fait, je suis de la sécurité, mais personne ne sait. Voilà. C'est ça. Futile. Plot twist. Je vais repasser dans l'ordre des avatars, donc on va recommencer par Earn. Comment ça se passe une journée de travail habituelle pour toi comme ça? Une journée bien chargée, c'est le samedi, il y a du monde. Eh ben écoute, soit je suis à la préparation de pizza, soit je suis à la vente, soit je m'occupe du stock. Donc quoi qu'il arrive à la fin, je suis fatigué mentalement, physiquement, et je sens le graillon. Je sens la pizza. Ça marche. Cynthia? Moi, je passe ma journée à remplir des cônes de glace avec des glaces de parfums vraiment les plus absurdes possibles. C'est vraiment ce genre de magasin de glace où il y a 50 rayons, enfin 50 parfums différents. Et il y a plein de jeunes trop chiants qui viennent me demander de goûter tel et tel parfum et qui reviennent pour en goûter d'autres. Bref, c'est chiant comme boulot, mais je le fais et puis j'attends toujours avec impatience le soir pour pouvoir rentrer soit avec Amanda, soit avec Earn, même si l'odeur de la pizza dans la voiture de Earn, souvent c'est un peu chiant quand même. Oui, alors attention, pas tous les jours je sens la pizza quand même. T'exagères. Ouais, mais je rentre pas tous les jours avec toi, donc. C'est ça, ok. Y a pas de... Si je tombe mal à chaque fois, hein. Je mets quand même du parfum, quand même. Ah, c'est pire. Il y a un mélange sauce tomate origan et parfum de vestiaire. Passe, tu vois, c'est mieux que... Le scorpio. Peut-être tu mets le scorpio, là. Scorpio pizza ananas. Non. Voilà. Parfait. Et pour moi, ça sent bon. Hein. Scott? Ah bah, moi, c'est tout simple. Hein. Ça fait bip, bip. Bip, dès qu'il y a un bip, bah, je sais que je m'attends à recevoir quelque chose à mettre dans un sachet, alors je le mets dans un sachet, mais j'essaie de faire ça bien quand même, j'essaie de trier les produits alimentaires avec les produits alimentaires, et puis équilibrer les sacs des vieilles personnes, et puis porter jusqu'aux voitures s'il y a besoin, et puis ça continue, bip, 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 et c'est comme ça jusqu'au soir, et puis voilà, les gens sont chiants. Exceptionnellement bien d'ailleurs. Comment ? Tu fais ça exceptionnellement bien d'ailleurs. Je vais te demander un petit jet. Tu te lèves bip. Et si je vais te demander un petit jet. Alors c'est ce qu'on appelle les jets d'influence. Je vous en ai pas encore vraiment parlé de ceci. Ça va être un jet d'influence. Je te laisse choisir sur Mind ou Soul. Ça veut dire que tu vas lancer autant de D6 que le nombre total de ton Mind, de ton Soul. Donc soit 5, soit 6, si je me souviens bien. Ça doit être 6 du coup. Et du coup, est-ce que je mets un petit 6 sur le petit truc à côté? Non, c'est pas la peine. Là, en gros, pour faire ça, ça va être simple. Tu le fais manuellement. Tu vas attraper le petit 6, le petit D6 sous la boîte. Et tu vas, tout en le gardant accroché, cliquer à droite pour te prendre 6 D6 et les lancer dans la boîte de dialogue. Alors, je le prends en bas ou je le prends dans ma fiche? Non, prends-le en bas. Ok. Voilà. Et je clique droit, c'est ça? Ouais. Ça te multiplie les dés. Okay, il m'en faut 6 ou 5, 6 et sous là. 5 et... Non, je vais faire avec Mind. 6. Ok. Ok. Très bien. Tu n'auras pas le résultat de quoi que ce soit pour l'instant. Je le garde de côté. Ah, non. Ok. Mais ça se passe plutôt bien. Et t'as pas de félicitations parce que tu es Scott.
Donc tu es aussi invisible aux félicitations comme aux remontrances. Oui. Mais clairement, tu vas avoir des collègues, c'est vraiment le genre d'endroit où il y a plusieurs caisses, et bout à bout, il y en a qui sont comme toi, à mettre les affaires dans les sachets. Il y en a plusieurs qui se font alpaguer par les clients parce qu'ils vont pas assez vite. Il y a même un moment, un des Sorensen qui va venir pour emmener un de tes collègues. Tu te doutes que la personne qui se fait embarquer là va voir son contrat terminé assez rapidement. Mais toi, ça se passe nickel. Et ça arrive souvent, ça, ou... Oh oui. Ah, d'accord. Non, c'était pour être sûr. Ok. Eh ben, je vois ce qui se passe, mais je me sens jamais de réagir, en fait. J'ai plus l'impression d'être anesthésié, finalement, et d'être spectateur. Ça marche. Riley, de ton côté, la journée chargée un peu type. Alors, la journée chargée, c'est remettre en rayon ce qui manque. C'est conseiller des gens sur ce qu'ils veulent acheter. C'est souvent des parents qui veulent acheter des skateboards ou des trottinettes pour leurs enfants, ce qui n'est absolument pas passionnant. De temps en temps, il y a quelques jeunes qui viennent acheter du matériel. Donc des nouvelles roues, ce genre de choses, des nouvelles planches. Et j'essaye de faire ça bien, mais quand je peux prendre une petite pause par la porte de derrière, je le fais. Ok, donc tu commences déjà à glander au travail, c'est ça? On a le droit à des pauses de toute façon. Oui, est-ce que tu prends juste les pauses autorisées? Non. J'en prends des supplémentaires dans la journée. Ok, je vais te demander un petit jet. Je sais pas sur ce jeu, ce serait plutôt Soul Mind là-dessus. Ouais, allez, sur du Mind. Difficulté 3. Donc 5d6. Non, tu lances juste un des 6. Si tu souhaites mettre des points, j'ai pas compris. Tous les jets, en fait, ça va être ça, sauf les jets d'influence, ce que je viens de faire avec Scott. Mais pour les tests normaux, c'est toujours un des 6. C'est un jet de mind. Si tu souhaites mettre des points dedans, Non. Sinon, c'est juste un des 6. Je l'ai jeté, je sais pas s'il apparaît. Non, j'ai rien du tout. C'est parce que t'as dû cliquer dans ta feuille, c'est ça? Non, je l'ai... C'est bizarre, parce que je l'ai jeté deux fois. Tu l'as toujours pas? Non. Est-ce que tu l'as jeté dans la boîte de dialogue ou pas? Mais oui. Bah écoute, pourtant t'es connecté. Mais... Je suis connecté, j'ai tout. Alors, je vais fermer tous mes trucs. Ça commence bien. On sait jamais. Donc Riley, c'est fait... Elle aussi, elle est invisible. Ouais. Écoute, j'ai fait 3, c'est quand même super nul. Je le vois pas quand j'ai... Oui, je comprends pas. C'est la Bretagne profonde, les choses n'arrivent jamais à l'heure. C'est fou ça. Ah. Moi ça marche. Ah non, c'est... Oui, ça c'est marche pas du coup. Ça marche pas non plus. Ça marche pas non plus toi. Ouais. J'ai lancé un D12. Ah, j'ai vu un D passer. C'était encore le DGM. C'est le mien. Je fais des petits tests. C'est pour 2 sur 4 personnes. Ça va être pratique. Ah, ça marchait tout à l'heure. Mais... Bah ouais, on a fait les tests et tout, pourtant. On était au point. Moi, j'avais pas jeté de dés dans les tests, par contre. Peut-être qu'il y a un truc à cocher quelque part, ou je sais pas. J'essaye en tirant de ta feuille. J'y arrive aussi, donc oui, ça doit venir de chez toi, je pense. Essaye de le faire de ta feuille, sans lancer le dé comme ça. Tu double-cliques sur le petit carré noir. De donc, ma feuille Ouais. Alors. Ah oui, ça marche avec la fiche. Ouais, je double-clique sur le... Le carré noir, au niveau de Ability Challenge. Ok. Ok, écoute. Oh putain, c'est tellement une blague. J'avais tous les... Presque tous les... C'est pas grave. C'est le jeu.
Donc, écoute, pas de problème. Tu fais même dans la procrastination à bonne échelle, là, pour le coup. Donc, ça se passe plutôt bien pour toi. Mais oui, c'est juste dépasser ce que je te demande. C'est bon, c'est réussi. Ok. Vous avez cette journée qui va être longue. Donc, certains procrastinent plus que d'autres, bien sûr. Donc, Riley, toi, t'es assez en forme, finalement, quand vient le soir, les clients commencent à partir au fur et à mesure. Il y a encore du monde, quand même, assez tardivement. Je sais pas si certains d'entre vous ont déjà travaillé dans le commerce, mais c'est le... Oui. Souvent, les gens qui débarquent au dernier moment, 5 minutes avant la fermeture, il y en a dans tous les coins, c'est affreux. Là, c'est exactement ce genre de journée qui s'allonge, et vous savez qu'il faut fermer derrière, ranger vos boutiques respectives. Vous savez que vous allez en avoir pour un moment. Cynthia, toi, il y a Amanda qui est censée venir te chercher ce soir. Riley, il y a ton frère qui vit. Et vous savez que là, ils vont vous attendre, clairement. Mais il y a un peu plus compliqué. C'est pour Earn. Parce que ce soir, tu as ton fils. C'est pas souvent en plus que tu peux l'avoir avec toi, donc tu sais que t'es censé le récupérer. On voit un peu chier les clients du coup, ouais. Je pense. Et ça va être méchant, mais je... Tu vas avoir ton ex qui va débarquer justement vers la fin, avec ton fils. Ça va être fun tout ça. Alors oui et non. Tu la vois là, elle est derrière, il y a encore quelques clients devant qui attendent que tu te presses. T'es tout seul pour faire la fermeture. Vous êtes tous seuls là pour vos fermetures. Là, en samedi soir, généralement, on garde les plus jeunes pour fermer et ils se démerdent s'il y a du monde, c'est comme ça. Et tu vois ton ex hein, qui est là, qui essaye de regarder par-dessus les épaules des clients. Et alors j'en profite, c'est juste le petit rituel, mais je garde des pizzas de côté pour Cynthia, Riley, Scott. Dès que je peux, je le fais. Ça marche. J'essaie de le faire, quoi, malgré que je sois un peu dans le rush. Tu vois qu'elle a l'air de s'impatienter, elle te fait signe de la tête. Bon. J'arrive. Je me dépêche. C'est les derniers clients. Alors tu sais que tu n'auras pas le temps de finir tes clients. Ils vont attendre un petit peu parce que elle va passer devant un dernier client ou pas. Earn, il faudrait que tu le prennes parce que là j'ai un truc à faire, je peux vraiment pas rester. Ok, écoute, c'est pas autorisé mais viens Cody, viens. Je vais te montrer la pizza arrière, viens. Oui, tu... Rien de dangereux, hein. Non, t'inquiète pas, tous les fours sont... Je vais faire la fermeture, t'inquiète pas. Tu fais attention, Cody. Maman viendra te chercher demain, d'accord ? Petite parenthèse pour Earn, si jamais tu me tiens au courant des soirs où t'as Cody... Et que moi, je finis plutôt que toi de fermer mon magasin, je peux éventuellement passer... Ça peut être un rituel qu'on a, où tu peux m'envoyer un SMS. Je suis au courant au dernier moment, en fait. Tu vois, donc, effectivement. Je te le dis comment je suis au courant, en fait. Ouais. Effectivement. Du coup, je t'envoie un petit SMS, vite fait. C'est-à-dire que le neveu est là. Ok, bah moi, je vais me dépêcher de finir de fermer tout, au cas où j'arrive pour t'aider avant... que t'es fini, mais bon, on va voir du coup si je finis avant toi ou pas, quoi. Ah, ok, pas de soucis. Ça commence à se vider, et Cynthia, tu vas pouvoir fermer. Généralement, toi, justement, Glacier, si tu as le message et que tu décides de fermer un petit peu avant, t'as pas trop de monde en fin de journée, comme ça, tu as tout à fait moyen d'aller rejoindre Earn. Ok, bah écoute, je ferme et je... Sachant que mon neveu est dans les pattes de la pizzeria, et je me doute que ça, c'est une galère.
Enfin, je me doute pour Herm qu'il doit être un peu en panique. Et ben, je me dépêche de tout fermer et d'aller le rejoindre. J'ai un peu élevé tous mes neveux, tous mes frères et sœurs, donc je connais un peu les bails, quoi. Ça marche. Scott, de ton côté. Bip, bip, bip. Il y en a encore et toujours, c'est infernal. Et tu vas avoir l'oreille qui traîne encore un petit peu, bien entendu. Et il y a une femme qui est en train de faire un scandale. Elle est en train de chercher son fils. Ok. Mais je comprends pas. Il était avec moi pourtant, mais vous avez pas des employés pour le retrouver. Il y a pas des caméras ici. Personne surveille. C'est pas possible. Et ça continue encore et encore, à moins que tu veuilles t'en mêler. Du coup, j'imagine que si je suis en bout de tapis, je dois avoir une collègue qui est en train de passer les trucs. Oui. Ouais. Du coup, je m'avance juste vers elle. Y a pas moyen de faire un appel micro normalement pour ça ? Du coup, c'est ce que je lui dis. Voilà. Ça a déjà été fait plusieurs fois. Je sais pas où il est, son gosse. Sérieusement. Mais il ressemble à quoi ? D'après ce que j'ai compris, un petit blond, une coupe au bol. David, il s'appelle, je crois. Et est-ce que du coup, moi, ça me parle, ça, quand c'est ce que j'ai vu passer un gamin ? Je suis pas entre les pattes des gens, ou sais-je. Oula. Alors, as-tu été aussi attentif que ça ? Bof. Mais j'ai que ça à faire de regarder les gens, et pas remettre les trucs dans les sacs. Alors, je vais te demander un petit test de mind, difficulté 6. Ok. Donc je le prends directement dans la fiche là ou pas ? Oui, ou tu lances ton D6 si ça marche de ton côté. Bien, c'est à 4. Alors, est-ce que tu veux prendre des points de weird pour avoir vu cet enfant ou pas ? Non, c'est un enfant, pas abusé. Quelle horreur. Donc, non. Non. Tu ne l'as pas vu. Et pourtant, tu te penches vraiment sur la question. Hein. Tu ressasses un petit peu, mais non, ça te dit rien du tout. Et tu es encore dans le magasin. Du coup, elle va partir un petit peu en furie pour chercher son gosse. Et tu vas continuer à biper tes articles. Riley, de ton côté, t'es en train de tranquillement fermer. T'as plus beaucoup de clients non plus, ça commence à se vider de ton côté. Et tu vas voir un agent de police qui va arriver. Avec une dame complètement flippée. Ils viennent vers moi ? Oui. Jean mademoiselle. Bonjour, je peux vous aider ? La petite dame là, elle aurait égaré son fils. Vous auriez pas vu un petit gosse blond avec une coupe au bol ? Oui, il s'appelle David. Non, écoutez, j'ai pas vu d'enfant et. Bah là, je suis en train de fermer, c'est un peu la fin de la journée. Et le magasin est vide, enfin vraiment, il n'y a pas d'enfant qui est rentré, donc. Vous voyez, madame. Je suis vraiment désolée. Je vous l'ai dit, on a cherché partout, et sûrement rentré à la maison. Mais c'est pas possible, personne ne va donc rien faire ici. Le flic te regarde, il hausse un sourcil, d'un air un petit peu entendu. Bon, ben, bonne continuation. Moi, je vais raccompagner la dame. Ben, si jamais je le croise en sortant, je vous appellerai. Hein. Et ils vont repartir. Vous allez pouvoir tranquillement fermer, chacun de votre côté. Est-ce que vos boutiques se trouvent à peu près dans la même allée ou pas ? Ben, je pense que les glaces et la pizza, oui. Le reste, ouais. Je sais pas. Ouais, je pense, ouais.
Bah moi c'est le supermarché, donc j'imagine qu'il doit être dans un truc un peu genre loin, central, dans le sens où... Enfin t'y vas quand t'as des courses à faire quoi, mais... Genre au dernier étage parce que c'est un truc ouais. gigantesque, c'est un Walmart. Ouais, pas comme ça. Mais est-ce que vous avez l'habitude de vous rejoindre, de vous attendre quelque part en particulier? Oui, au banc. Ouais. Au banc, tu veux dire, le banc là qui est en plein milieu de l'image là? Exactement, ce banc. Ok, c'est notre banc. Le fameux. C'est notre banc. Ça manque d'une fontaine, c'est bon. Il y a un arbre hein, déjà. Ils ont essayé. Ouais, enfin, l'arbre a la moitié de ses feuilles qui ne sont pas présentes. Avec plein de mégots partout. Dans la terre. Quelle horreur. Non, mais non. Quelques canettes de coca. C'est vrai qu'il n'y a pas de poubelle. Hein. C'est vrai. Parce que c'est très propre grâce à Hank. Il est beau ce resto. Parfait. Vous allez donc vous rejoindre sur ce banc, ou à moins que vous préfériez celui-ci. Non, l'autre est mieux. Il est plus bien. Accueillant. Celui-là m'inspire pas confiance. Ouais. Je préfère le premier aussi. Ah non, le premier c'était pas mal, genre on se rejoint. En plus, du coup, moi j'ai récupéré Cody et je m'occupe un peu de lui avec Amanda en attendant que. Ah non, Amanda est peut-être pas arrivée. Amanda, en fait, je m'occupe de Cody en attendant que Earn finisse de fermer et tout. Et puis voilà, chill. Je pense qu'on essaie d'éviter les deux frangins aussi. Ouais. Moi j'envoie des messages. Quand je pars, je ferme le rideau métallique du magasin. Et après je pars en étant sur mon téléphone. J'envoie des messages à mon petit frère. Ok, ton frère te répond hein, que il a rejoint Amanda. Il te met d'ailleurs la pote de Cynthia. Et tu sais qu'il se trouve sûrement dans le parking souterrain. C'est là okay, où généralement ils vous attendent. Parce que effectivement, ils ne peuvent pas rentrer à l'intérieur maintenant. Parce que si vous avez des petits badges, c'est pour une bonne raison, étant donné que vous êtes à la pointe de la technologie ici, dans le Soren Mall. Et il y a un système de sécurité qui est vraiment du dernier cri. Il n'y a pas de personnel de sécurité. Mais vous avez pu apercevoir de temps en temps, et vous savez qu'ils sont censés tourner la nuit... Il y a des drones. Waouh! C'est pas du tout rassurant. C'est quoi ça? Security boat. C'est tout à fait rassurant. Vous ne les voyez pas la journée. Vous avez pu en apercevoir dans les étages supérieurs qui sont plus les bureaux, sans doute. Mais vous ne les avez jamais vus en action. Vous savez que le centre commercial se ferme complètement, automatiquement, à partir d'une certaine heure et quand les employés sont sortis. Et là déjà, vous êtes en retard. Il y a des chances que cette histoire de femme qui cherchait son enfant, ça ait ralenti un petit peu les choses. Donc vous êtes à la bourre et vous savez qu'on vous attend. Vous rejoignez tous, malgré tout, à votre banc habituel. Oui, pour être sûr. Pour partir tous ensemble, surtout. Ouais. Je distribue les pizzas, tout le monde. Yes. Et vous allez voir Hank, qui arrive, il est en train de tirer son tissot à roulette avec son balai. Ah, vous êtes encore là. Bah ouais, mais on s'en va là, tu pars aussi ou... Bah non, moi je commence. Ouais, ok. Bah, bon courage, quoi. Oui, qui s'allume une clope. En fait, les mégots dans la plante, c'est lui. C'est tout à fait lui. Tout s'explique. Ouais. Bonne soirée, Hank. Hein. Ouais, bon courage. Ouais, restez pas trop longtemps. Ouais, Vous savez, ce boulot, faut pas trop lui en donner, hein. Sinon, il va vous bouffer complètement. Oh, bah, s'inquiète, je lui donne pas trop. Ok.
Moi, je fais juste un signe de tête et un sourire un peu gêné et je sors mon téléphone pour prendre des notes. Ça marche. Qu'est-ce que tu notes ? Prends des notes. Ouais, je note exactement ce qu'il vient de dire. Ok. Est-ce que t'es en train d'écrire secrètement un livre d'horreur ? Attends, est-ce que ton personnage demande à mon personnage ça ? Non. En vrai, si je te vois prendre des notes sur ça et que je vois par-dessus ton épaule que t'écris ça, je pense que je te posais la question pour de vrai. Bah, si tu as envie de le voir, pose-moi les questions, y'a pas de soucis. Hein. Bah, allez. Non, pas du tout. C'est pour un exposé. Enfin, un truc. Enfin, voilà quoi. Ah merde. Ok. J'arrive. Voilà. C'est tout. Si tu veux en parler un jour, t'hésites pas. Enfin, parce que c'est vrai qu'on t'entend pas beaucoup en général, mais. Ouais, c'est. Bah, quand ça sera prêt. Et en fait, quand je dis ça, je regarde Earn, mais très très rapidement, et je reporte mon regard directement sur mon téléphone et je le range et je souris. Voilà. Ouais, donc Scott. Je regarde Earn et je comprends pas ce qui se passe. On n'avait pas discuté que tu devais reprendre l'entraînement ? Bah, je sais pas. Jouer ailier, c'est pas trop mon truc, alors. Enfin, peut-être je vais reprendre juste l'escalade, je sais pas trop. Bah, tu voulais pas être quarterback ? Non, mais c'est trop compliqué. Bah, en quoi c'est compliqué ? Je sais pas. Je me sens pas. Je me sens pas de faire ça. Enfin, pas là. Enfin, peut-être je le ferai après, tu vois, mais. Mais je sais pas, là, j'ai envie de faire d'autres trucs pour l'instant. Mais je suis pas sûr d'avoir un. T'as envie de rester dans ce magasin de ces morts là et tu veux pas. Mais non. Non, mais. Peut-être. Enfin. Je peux vous en parler plus tard parce que je sais pas. Enfin, t'as le droit de garder des trucs pour toi, t'as le droit d'en parler plus tard, t'inquiète, on sera toujours là. C'est gentil. Mais c'est rien de grave, hein. Enfin, je crois pas. J'espère. Parce que c'était un truc grave, j'espère que tu nous en parleras plus vite que si c'est un truc pas grave, tu vois. Non, mais de toute façon, pourquoi ce serait grave si je note que des trucs sur Hank? Je veux dire, y a rien de. Et toi, Cody, t'as envie de voir Scott reprendre le sport? Hein? Je suis sûre qu'il serait déçu. Il fait quoi comme sport? C'est quoi? Il fait quoi comme sport? Moi j'ai fait du football américain, mon grand. Oui, j'ai fait du football américain et j'ai fait du tennis de table et du tennis, de l'escalade, du badminton et du volley aussi. Oh waouh, ça fait beaucoup. Oui, ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup trop petit gars. Mais c'est sympa, c'est très bien. Bah alors les grouillots. On aurait peut-être pensé à partir. Et parce que Rudy, vous le voyez arriver d'un coup. J'ai trop peur. Je pense que Cynthia, dans la fiction, du coup, a sursauté parce qu'elle était hyper à fond dans cette conversation. Et elle a entendu Rudy derrière elle et elle a sursauté ultra violemment, quoi. Et ça le fait sourire, il vous interrompt hein, de toute façon. Ferait mieux de vous presser. On va pas vous payer les heures sup, hein. Mais on n'est pas en heures sup, on est en train de discuter. Ouais, c'est bien ce que je dis, ouais. Il mâche un chewing-gum constamment, c'est insupportable. Je glisse un regard vers Riley. Il lève la tête un peu brusquement de son téléphone, parce que j'étais toujours en train de parler avec mon petit frère. Et je jette un regard un peu genre « qu'est-ce que tu fous là ?» à Rudy. Et fait et Steve aussi, ils sont là tous les deux. Et oui, Steve vient d'arriver, il arrive derrière, juste après, justement, au moment où tu relèves la tête. C'est vraiment des screamers. Tu vois Steve qui débarque. C'est quoi le problème là exactement? On discute, on va y aller, c'est bon? Eh bien, à moins que vous vouliez rester bosser avec nous cette nuit, gracieusement bien sûr, étant donné que... Certainement pas. On nous a appelé. Qu'est-ce que vous foutez là la nuit?
des choses pour la direction. C'est un peu loin de votre niveau. Ouais, alors dégagez maintenant. On y va. On va y aller. Cody, dis au revoir au monsieur. On y va. Non, Cody, parle pas au monsieur. Pourquoi vous avez un gamin avec vous, là? C'est son fils, t'as un problème? Tu veux qu'on te fasse notre arbre généalogique aussi? Ben, c'est un petit peu contre le règlement du magasin. Je crois que certaines personnes pourraient avoir des problèmes. Oui, enfin, si vous cherchez dans votre magasin, a priori, il y a un deuxième gosse perdu. Donc, en fait... Il n'y a aucune preuve qu'il soit ici. Il n'y a aucune preuve qu'il ne soit pas là. Mais bon, on va y aller. Hein? Ouais, on y va. Donc, passez une bonne soirée et on se voit demain. Ouais, c'est ça, ouais. On se casse en direction des parkings. Oui, clairement. Loin de ces hommes étranges et creepy. En partant, je leur jette un regard un peu au-dessus de l'épaule. Genre, allez bien vous étouffer dans votre vomi. Non, mais par contre, je vous chuchote après. On est d'accord que c'est chelou qui bosse la nuit. Oh non, ça m'étonne pas. Il y a plein d'aveurs de caisse en ce moment. J'imagine qu'ils sont en train de tout recompter. Ou quelque chose comme ça. Ok. Mais ils sont... Moi, je les ai toujours trouvés bizarres. Il y a longtemps quand même qu'on l'a pas vu, le daron. C'est vrai. Je l'ai pas croisé depuis très longtemps non plus, ouais. Bon, il doit travailler dans son bureau, là. Vous savez, tout en haut du centre commercial. Ouais, ça ferait une bonne fiction de chair de poule, ça. Toute cette petite histoire, là. Alors... Je n'ai pas. Je disais ça à mes frères et sœurs quand ils étaient plus petits. Ils aimaient bien. Je n'ai pas trouvé le bon son, mais je suis désolé. Donc je vous préviens avant. C'est le téléphone portable de Cynthia. Faut changer de sonnerie. Ouais, elle a une sonnerie vintage. Téléphone de Daron. Effectivement, je pense que je n'ai jamais changé de sonnerie parce que si un de mes frères et sœurs m'appelle, j'ai besoin de l'entendre. Et du coup, je décroche. Ouais, et ça résonne dans tout le couloir du vide du centre commercial. Et de l'autre côté, tu entends Amanda. Y a un truc là avec le petit frère de Riley. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il est... Amanda? Petit vers... à l'intérieur. À l'intérieur de quoi? Amanda? Je commence à courir en direction du parking. Amanda, explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous êtes où? Vous voyez tous Cynthia qui part en courant. Et moi, je chope la main de Riley sur le chemin, d'ailleurs, au passage. Moi, je la suis, je fais qu'est-ce que... Et je la suis en courant, sans savoir pourquoi elle me tire comme ça, mais... De l'autre côté, tu entends des... Enfin, de l'autre côté de ton téléphone, j'entends. Cynthia, tu entends justement la voix d'Amanda qui a l'air un petit peu entrecoupée. Ça grésille un petit peu, tu comprends pas exactement tout ce qu'elle dit. T'as peut-être un mot sur deux, tu comprends qu'elle est en train de courir. Amanda, vous êtes où? Vu le garçon. Et là, plus rien. Ok, je raccroche, je dis faut qu'on court, je sais pas, dans le parking. Amanda est avec ton frère Riley, y a un truc, un garçon, il y a un problème, il faut qu'on y aille. Quoi, comment ça, il y a un problème? Oui, on y va tout de suite. Mais moi, je réfléchis pas et je cours. Enfin, il y a Amanda qui est concernée. J'ai pas réfléchi. Ça fait déjà 5 minutes que je suis partie devant. Donc, je vous crie ça derrière vous si vous me suivez un peu moins vite. Mais sachant que je suis pas la personne qui court le plus vite de ce groupe. Mais moi, je cours le plus vite possible s'il y a un problème avec mon frère. Scott, Ern, vous êtes derrière et vous voyez les deux filles qui sont parties vraiment pleines balles, qui crient à moitié. Vous saisissez pas spécialement tout ce qui se dit. Ouais. Moi, je range une bombe de feinture que j'avais prévue pour taguer les voitures des patrons. Du coup, je cours aussi. Je cours aussi. Ouais. Tu prends Cody sur le dos, tu sais, en sac à dos. C'est ça. Tu portes Cody ou tu cours avec lui? Non, je vais le porter.
Très bien. Et je vais essayer de rattraper Cynthia. Je cours. Généralement, je suppose qu'ils nous attendent à peu près toujours au même endroit des parkings. Du coup, je cours dans cette direction pour trouver leur voiture, quoi. Enfin, la voiture d'Amanda et la voiture de Kai. Ouais. Kai, il n'y a pas de voiture, en fait. Justement, il est sans doute venu en bus. C'est pas la première fois. Amanda le ramène avec vous quand elle vous ramène. Ok, d'accord. Et bah, du coup, je cherche la voiture d'Amanda. Avant que vous arriviez là-bas, je vais demander à Earn et Riley un petit jet. Ça va être encore un jet d'influence, donc là ça va être un certain nombre de dés que vous allez envoyer. Et ça va être sur le soul. Ok, donc on clique droit sur le D6, c'est ça? Tu attrapes le D6 en dessous, et quand tu le tiens, tu fais un clic droit pour en augmenter le nombre. Tu vas voir. Ça marche toujours pas, c'est incroyable. Alors, si je fais ça. Oui, moi ça marche pas. Ok, alors bougez pas, je vais vous faire un petit truc sur vos fiches. Je vais. Alors, est-ce qu'on peut faire un item slash espace Je sais pas exactement les commandes. Donc attends, toi en soul, tu as 5, bouge pas, je te fais un truc. Voilà, essaye de cliquer par ta fiche, je t'ai fait une ligne avec 5. Ouais. Et je vais faire pareil pour Riley. Tu l'as envoyé? Ça bloque, ça marche pas. Oh la vache. Sinon, on clique 4 fois sur notre D. Oui, vas-y, ouais, si t'as que 4. Je te laisse. Et 6 pour toi. Pardon, j'ai tenté une macro. Mais ça marche pas. Je sais pas si c'est votre connexion qui fait que ça vient pas, mais... Ah, c'est bizarre, parce que quand on double-clique sur le truc, par contre, ça fonctionne. Du coup, t'as dit que c'était quoi? C'était de Soul? Soul. Tu veux commencer? Moi, ça marche pas, là, les petits carrés noirs, du coup, maintenant. C'est moi qui l'ai envoyé pour voir si ça marchait. Okay. Ça marche de mon côté. C'est avec ta fiche important, Banane. Sachez pour moi que vous galérez que sur Twitch, les gens sont en mode on prépare un hashtag RIP Amanda et ils se demandent aussi si c'est pas grave qu'il y ait un enfant qui est disparu, parce qu'en fait on s'en fout un petit peu depuis tout à l'heure. Je vois pas pourquoi c'est grave. Moi je suis persuadée que c'est terrible, mais bon. Comment t'as pu faire un 0 sur un D6, Riley? Attends, non, c'est parce que j'avais désactivé le. C'est bon. Prends pas en compte le premier, s'il te plaît. Comment donc, quel talent. 2, 3, 4. Allez. Enfin, t'as fait des scores de merde. Ouais. 6, 7, 8, 9. Ouais, sauf que vous ne savez pas exactement ce qu'il faut faire comme score. On pourra en parler après la partie si vous voulez. Earn, t'arrives toujours pas, même un dé, ça marche pas. En passant par ta fiche. Non, c'est bloqué là. C'est, c'est chelou ça. Attends, je vais faire un truc. Je vais t'enlever de la ta fiche. Rentrer peut-être. Ouais, avant ça, je vais juste tenter un truc. Je t'enlève ta fiche, faut la reprendre, Bana. En fait. Attends, je vais. Quand même. Tu vas dans caractère, tu reprends ta quand fiche. Les gens sont actifs ou pas. Ah, voilà, ça a l'air de marcher, là, attends. Ah, non, ça marche pas. Le mec, il est maudit, c'est pas possible. Eh ben, on va chercher un D6 et... Mais c'est ça, tu sais, tes D6 chez toi, tu lances tes D6 et basta. C'est terrible, ça, quand même. Ouais, non, mais ça marchait tout à l'heure, au début, mais... Je pense que c'est un problème de Fantasy Grounds parce que je vois pas pourquoi ça marcherait pour les autres et pas pour nous, quoi. Ben oui, je comprends pas. Ben, je pense que c'est la Bretagne profonde. Pardon, j'arrête avec cette blague. Mais on n'est pas bretons tous les deux, quand même. Surtout que Banane n'est pas du tout en Bretagne. Je parle que toi parce que je connais pour toi, mais. Non, je suis pas breton. Mais Mince. On peut pas ça être marche parfait. Aussi avec la Corrèze profonde. Avec la Lozère profonde. La Creuse. La Creuse profonde. Avec tout ce qui est profond. L'Eure-et-Loire profonde. Est-ce
Est-ce que tu as des dés chez toi, Vanna? Oui, alors attends. Parce que sinon, là, tout sinon, ce que attends, je peux te proposer, c'est de déco reco. Oui, aussi. Sinon, sur notre Discord, il n'y a pas un lanceur de dés? Non, je crois pas que j'en ai mis. Non, il n'y en a pas d'installé. C'est pas, c'est pas moderne. Mien, mais Banana n'est pas sur mon Discord. Il y a Delta, sinon, qu'on peut mettre. Mais... Sinon, attends, je vais... Mais vous savez que sinon, Google lance les dés. Si tu fais ta commande dans Google, Google lance tes dés. C'est vrai. Je vais faire une recherche. C'est donc une course effrénée dans le parking. Ah, il est loin le parking, c'est pour ça, là, ça court, ça court. C'est un très très long parking. Alors attends, du coup, je lance 5 dés ici, ça. Alors, attends, je vais les lancer avec Google. Cours! Non! Alors j'ai fait 14. Un montant! Sauf que je veux pas le résultat, je veux chaque truc sur le dé. Chaque truc sur le dé. Ouais, attends. Ouais. Et c'est pour ça que ça aurait été mieux si je les avais eus sous le nez, mais Non, d'ailleurs, on va faire plus simple. Tu me donnes le nombre de 1 et le nombre de 6, c'est tout, s'il te plaît. Et si t'en as pas, tu me dis que t'en as pas. Voilà, je t'ai recopié. Ok. Ça nous donne des indices sur ce que t'attends de ces jeux, ces jeux de dés. Allez, j'ai crypté, quoi. Petit à petit, on comprendra. Je garde ça de côté. Très bien. Vous arrivez au parking, donc, en courant. Ton fils est secoué un petit peu, il commence à paniquer. Et vous arrivez à la voiture d'Amanda. Et il n'y a personne. Il n'y a pas des bruits de pas autour, quelque part, parce que ça résonne en parking. Il n'y a pas des bruits quelque part. Ah bah là, vous en avez fait beaucoup déjà, des bruits de pas en arrivant vous-même. Il y a Riley qui s'entraîne à jeter des dés. Et je vais te demander... allez, un petit jet de mind, difficulté 5, s'il te plaît, Cynthia, alors que tu essayes de tendre l'oreille. Difficulté 5, ça veut dire qu'il faut que je fasse 5 ou plus. 5 ou plus, ouais. C'est ça. Et si j'utilise un point de mind, ça fait quoi? Ben, si tu vas lancer un des 6 plus 1, et tu notes bien sur ta feuille que tu as utilisé un point. Donc dans ton actuel, tu le descends d'un cran. Sachant qu'on est obligé de choisir avant, bien évidemment. Bien évidemment. Mais vu la situation, je pense que je vais utiliser un point de mind. Parce que je veux absolument retrouver Amanda. Et donc je vais lancer un des 6 auquel on fera plus 1. Ah oui, attends, je peux le mettre directement là, c'est ça? Si ça fonctionne, ouais, tu mets là. Voilà, ouais, c'est ça. Et je clique là. Non. Je fais ça. Tu double-cliques sur le petit carré noir à côté. Oui, c'est ça. Je l'ai translaté, ça a marché. Donc ça a fait 4, du coup je ne réussis pas même avec mon plus 1. Tu ne réussis pas, mais tu as la possibilité, si tu le souhaites, de prendre un point dans la Weird Pool. Bah ouais. Tant pis. Vas-y, go. C'est parti. Ok, donc tu fais... Je prends un point. Parfait, nickel. Tu prends un point. Et tu vas entendre... On n'en a plus que 4. Et effectivement... Mais bouge pas, je m'en occupe. Ok. Je vous l'affiche encore, elle est là. Tu entends au loin, justement, ces bruits de pas qui... Et tu te rends compte que ça vient en direction de l'intérieur du centre commercial. Ah ! Il y a plusieurs entrées du parking. Bah oui, forcément, il y a plusieurs entrées du parking. Attends, évidemment. Il se passe quoi là ? Parce que t'es en train de faire flipper Cody Mais pourquoi on court? Putain, pourquoi Cody est là? ça tombe mal. Amanda m'a appelé, paniquée, je l'entendais mal. Elle m'a dit qu'il y avait un problème avec Kai. Elle m'a parlé d'un garçon. Ça peut être le garçon disparu, qui sait.
Et il y a de vient du centre commercial, donc peut-être qu'elle a couru à l'intérieur et qu'on l'aurait croisée en prenant pas les mêmes escaliers, mais je crois qu'il faut qu'on re-rentre. Attends. Il y a eu quoi que... On est sûr qu'il y a personne dans ce parking. Et je commence à appeler mon frère. Je l'appelle partout. Je fais « Kai, Kai !» Et je retire mes écouteurs pour la première fois. Waouh ! Serious business. Faites attention. Je les range. Carrément. Ouais. C'est Scott qui demande, il se passe quoi ? J'essaye d'appeler Kai avec mon téléphone. Ouais, moi, j'essaye de rappeler Amanda en même temps et je hurle Amanda. Enfin, je fais comme Riley, mais version Amanda, quoi. Ok. Vous n'avez pas de réponse pour l'instant. Putain, il n'y a pas de vigile dans ce... Oh. J'ai entendu aucun bruit dans ce parking et le bruit, à mon avis, ils sont remontés dans le centre commercial. Et du coup, il y avait bien la voiture d'Amanda, on est d'accord? La voiture est là, ouais. Ok, je peux tourner autour de la voiture et regarder en dessous et juste explorer, enfin regarder la voiture, quoi, s'il vous plaît. Tu peux, tout à fait. Il n'y a rien de particulier au niveau de cette voiture. Moi, je vais regarder les sorties de secours, les trucs comme ça. Quoi. Même en dessous? Non, même en dessous, ouais. Ok. Alors que Earn part pour aller voir au niveau des sorties de secours, vous allez tous entendre. Le bruit est assez fort et résonne beaucoup dans cet endroit vide. Vous savez que ce sont les serrures du magasin qui se ferment. Ah putain. Ah. C'est automatique. Est-ce que quelqu'un sait parmi nous? Enfin, du coup, je posais la question, est-ce que nos cartes d'employés nous permettent de rentrer malgré les serrures? Il n'y a qu'à essayer. Du coup, je m'approche et je teste avec ma carte. Il n'y a pas de lecteur. Ah. Ah, yay. Ah, on va... Vous savez que votre carte sert pour la pointeuse. Vous avez déjà pointé en arrivant justement à sortir du boulot. Moi je tambourine sur la porte en criant « Hank ! Hank, ouvre-nous !» Ah non, vous avez mal compris, pardon. Vous aviez cru que vous étiez enfermé dehors. Vous êtes enfermé dedans. Oui, on est enfermé dans le parking. Non, c'est les portes du parking. Le parking est à l'intérieur du centre commercial. Dans le parking. J'ai pas compris. Si tu veux, le parking est à l'intérieur du centre commercial. Ça fait partie du bâtiment, en fait. Donc, c'est les portes extérieures. Vous pouvez aller à l'intérieur. Sortir du parking. Exactement. Ah, mais bah les couilles, moi je retourne dans le centre commercial. Bah, moi je fais pareil, hein. Ok. Je suis. Le seul problème, c'est Cody, quoi. Enfin. Moi, s'il y a des caméras dans le parking, je fais un peu signe à la caméra, genre, oh, je suis là. Il y a effectivement par endroit des caméras, donc tu vas me faire un petit jet sur ta soul encore d'ailleurs. Hein, donc encore une fois, c'est 5d6 pour toi. Ok, alors attends. Je suis à côté de Earn, hein. Je suis là en mode... Je suis un peu tôt en fait. Ok. Ça a marché, t'as pu lancer des dés. Oui, avec la macro que... Waouh. Tu m'as filé ça à fiel. Beaucoup de 6 et 2, 1. Parfait. Très bien. Donc on dit parfait, c'est jamais vraiment parfait pour oui, nous. Oui, j'aime pas le coup. Attends, on sait pas ce que c'est. C'est horrible. Tu es resté donc dans le parking, tu t'es approché d'une de ces caméras. Qui est resté avec toi? C'est Scott, c'est ça? Oui. Donc, vous êtes séparés. Cynthia et Riley, vous êtes partis en trombe à l'intérieur. Earn et Scott, vous êtes restés là. Vous êtes en train de faire les guignols sous une caméra. Où est Cody? Oui, alors les guignols. Bah, il est avec moi, je le porte. Tu le portes toujours, tu l'as pas posé. Eh ben non. Et qu'est-ce qu'on va faire, papa? Pourquoi les portes elles sont fermées? Non, t'inquiète pas. C'est juste un petit problème informatique, t'inquiète pas. On va retourner dans le hall d'accueil et on va sortir. Et alors que tu lui dis ça, tu vas entendre, vous allez entendre, toi et Scott.
un vrombissement. Sauf si je me plante de son, parce que là c'était un appareil photo. Oui. C'est pas le même suspect. C'est pas pareil. C'est un vrombissement étrange, mais. C'est pas le même. Et il y a un de ces drones qui est en train d'arriver. Tu le vois de loin, hein. Vous le voyez tous les deux. Et il va se stationner juste au-dessus de vous. Ouais. Tu comptes quoi, il faudrait nous laisser sortir maintenant. Vous restez devant C'est-à-dire qu'il fait des tours autour de nous ou il est en vol stationnaire, là, vraiment, juste au-dessus de vos têtes. Bah du coup, je sais pas, je lui montre genre la porte. Sans identification. Ouais, moi je lui montre Cody et puis la sortie, tu sais, genre en mode, faut qu'on sorte, quoi, il y a un problème, quoi. S'il y a quelqu'un derrière le drone... Identification. Bah, je lui sors un badge, je lui sors mon badge et je lui montre le QR code. Il va y avoir un petit flash de lumière verte. Mmh. Et le drone va se tourner vers toi, Earn. Identification. Ouais, bah, je monte ma carte un petit peu paniqué. Même chose. Puis il va se tourner vers Cody. Identification. Oh non. Je resserre ma main autour des lanières de mon sac à dos en mode stress. Mais identification, on veut sortir, c'est... Je lui remonte ma carte. Oh. Identification. Yeah. Et d'un coup, la lentille qui est juste sur le devant passe au rouge. Et vous allez entendre, de loin, il y a déjà le bruit de celui-ci, mais beaucoup d'autres vrombissements. Et ça devient vraiment oppressant même. Et vous allez voir, au bout du parking, il y a 6 de ces drones qui sont en train d'arriver. Et je vais passer à Cynthia et Riley qui sont en train de courir à l'intérieur du mall. Où est-ce que vous allez toutes les deux ? Bonne ambiance. Ah, moi je hurle le prénom de mon frère, je m'en fous de tout là. Ouais, je suis en train de hurler à Amanda. Enfin, globalement, on se suit, je suppose, avec Riley. On reste à peu près dans la même zone. Moi, je me sens globalement un petit peu plus en sécurité quand je suis proche de Riley, depuis toujours. Du coup, je reste pas loin d'elle et je hurle à Amanda et je continue à appeler en boucle sur son téléphone au cas où j'entends aussi la sonnerie de son téléphone. Et j'essaye de suivre le son des pas que j'ai entendu. Ok. Vous allez chercher un moment. Pour l'instant, ça ne répond pas. Et vous n'entendez pas de sonnerie. Riley, tu vas recevoir un texto. Vers où vous vous dirigez, là, sans aucune indication, c'est quoi votre premier réflexe ? Fouiller le rez-de-chaussée, déjà, et aller le... Enfin, moi, mon réflexe a été de me diriger vers le magasin dans lequel je travaille. Ouais, j'allais dire exactement la même chose. J'allais dire aller vers mon glacier parce que si il se réfugie, ce sera sûrement là où moi je travaille, tu vois. Et du coup, j'espère que les deux magasins sont proches. Comme ça, c'est cool. C'est une bonne question. Je vais vous faire un petit jet. Lancez-moi toutes les deux, justement, votre mind, s'il vous plaît. Et de la même façon, je veux dire, le nombre de dés, hein, de ce que vous avez en mind. Le nombre de dés de mind. Et comment on fait pour lancer 7 d'un coup ? Alors, comme j'ai dit, si ça marche chez toi, tu prends le D6 qui est en dessous de la boîte, tu le tiens toujours, tu ne le lâches pas encore, et tu fais des clics droits pour le multiplier. 3, 4, 5, 6, 7. Pfiou ! Ah non, j'ai plus que 6, vu que j'ai... Non ? Non, pour ce genre de jet, on part sur le complet. Ok. Très bien. Alors attendez, parce que je dois prendre les notes en même temps.
Ok. C'est pas au même endroit. Ah. Et du coup, est-ce que vous vous séparez ou est-ce que vous allez vers l'un ou l'autre ? À vous de me dire. Riley ne se pose pas la question parce que son frère passe avant tout. Donc je me retourne pas et je vais vers mon magasin. Eh ben moi, je me pose la question, mais vu que a priori Amanda était en train de... Ah, attends, c'est une bonne question. Est-ce qu'elle était en train de fuir ou d'essayer de rattraper Kai ? Je vais suivre Riley parce que je pense que Amanda aura suivi Riley vu ce qui s'est passé au téléphone. Et puis aussi parce qu'on trouvera potentiellement des trucs avec lesquels taper sur d'autres gens dans le magasin de Riley, contrairement au glacier. Ça y est, Cynthia pense déjà à frapper des gens. Il lui est rien arrivé de spécial, hein. C'est moche. Alors si la violence. Sa meilleure amie a disparu après un appel chelou. Elle est prête à tout là. Là, si elle trouve une batte de baseball, elle est heureuse. Ok. Vous arrivez donc par en dessous. C'est un peu une disposition comme ça. Vous voyez, vous êtes sur le niveau du dessous et il y a un niveau au-dessus avec des balcons. Ouais. C'est comme à Montpellier. Oui. C'est vrai. Et alors que vous arrivez toutes les deux devant la boutique de Riley, Riley, tu vas recevoir un texto. Ouais. Et c'est un texto de ton frère qui dit « J'ai trouvé le gamin disparu. » Bah, je lui réponds tout de suite. Je lui dis « Vous êtes où ?» Tu attends un petit peu et tu as une petite icône rouge qui te revient. Message non délivré. J'essaie d'appeler. Ça ne fonctionne pas. Et tu vas te rendre compte que tu ne captes pas de réseau ici. Je m'énerve sur mon téléphone. Je regarde autour de moi si je vois qu'il y a une boutique où le rideau de fer a pu être un peu relevé. Non, là, tout a l'air fermé. Après, tu as la clé de la boutique, hein, toi, donc de la tienne. Du coup, je te demande si tu peux ouvrir ta boutique, qu'on récupère quelque chose avant de repartir. Mais qu'est-ce que tu veux récupérer, enfin... Un truc, n'importe quoi, au cas où. Mais au cas où, moi, je risque d'avoir des problèmes, enfin... Et ton frère et Amanda, tu crois qu'ils ont pas des problèmes en ce moment ? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ok, mais j'ouvre ma boutique. Ok. Tu arrives sans problème à ouvrir la boutique et alors que t'es en train de lever le rideau de fer, vous allez toutes les deux entendre des pas. Et ça a l'air de venir de l'étage. Alors que vous... ressortez, ou tout du moins vous retournez pour voir ce qui se trouve à l'étage. Vous allez apercevoir deux personnes. L'une d'elles est Amanda. L'autre, vous ne l'avez jamais vue. C'est un grand personnage qui a l'air... là, comme ça, vous diriez qu'il est albinos. Il a de longs cheveux blancs. Et vous le voyez, il marche devant Amanda qui le suit. Et là, je hurle « Amanda !» et je réfléchis pas, je monte en courant à l'étage. Alors pour monter, c'est pas ici. Il va falloir recourir dans l'autre sens. Mais c'est tout à fait possible. Je cours dans l'autre sens et je me dépêche. Ok. Et au moment où tu cries Amanda, tu vas remarquer que Amanda, elle n'a pas une seule réaction. Tandis que cet homme qui est là va tourner la tête vers toi. Yay. Pas flippant du tout. Ouais. Riley, qu'est-ce que tu fais, toi ? Tu vois ça ? Cynthia part en courant pour aller remonter. Tu viens d'ouvrir ta boutique. Je vais quand même aller dans la boutique pour prendre une batte de baseball. Ok, tu te précipites à l'intérieur pour prendre une batte de baseball, très bien. Je vais vous demander à toutes les deux, Cynthia et Riley, je ne mets pas
de difficulté, mais vous allez toutes les deux me lancer un jet de body pour voir si vous allez plus ou moins vite. Ah oui, il n'y a pas de difficulté. Non. Okay. Là, c'est vraiment l'une contre l'autre, en fait, pour voir laquelle va le plus vite. Ok. Petit. C'est juste un des six pour celui-là. Ah putain, j'avais pas compris. Je le refais. J'ai fait 4, elle a fait 3. Ouais, et du coup, comme tu pars en avance, eh ben, à moins que Riley, tu décides de prendre un point de weird, Cynthia va être loin devant. Non, je le prends pas. Ok. Et donc, le temps que tu rentres à l'intérieur, que tu prennes une batte de baseball, que tu ressortes, est-ce que tu refermes la boutique ou pas? Non, je la laisse ouverte. Okay. Je ne prends pas le temps de refermer, je ne me pose pas la question. Cynthia, tu vas monter seule, là-haut. Oui. Et tu vas arriver au moment où ils sont en train de monter dans un ascenseur. Tu sais que cet ascenseur monte vers les salles au-dessus, les bureaux, les endroits où toi tu n'as jamais été finalement. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que, vu que je suis une femme noire aux États-Unis de 19 ans, on peut partir du principe que j'ai une pepper. Un pepper pit, là. Je trouve pas le mot. Une bombe à poivre dans mon sac. Oui, si tu veux. Cool. Eh ben, je cours le plus vite possible pour pouvoir les rattraper. Et si j'arrive à arriver à temps, arrêter du coup l'ascenseur, enfin, la porte de l'ascenseur avant qu'il se ferme et pchiter la gueule du mec chelou, quoi. Ok, donc tu veux taper ton ça, plus beau plan. Sprint. C'est ton plan, pas de soucis. Maintenant, à voir comment ça va se passer pour demain. Tu pars en courant. Je vais te demander un jet de body. Et pour la difficulté, que je regarde, qu'on ne dise pas que je sois injuste, je regarde un petit peu mon petit point difficulté. Allez, 8. Eh bien, je vais mettre des points de body dedans, ou alors je pars juste du principe que j'utiliserai un point de weird et tant pis, quoi. C'est à toi de me dire. Ouais, j'ai parce pas le choix, de toute façon, j'ai tes points de body. Tes points d'habileté, tu dois les appeler maintenant, avant le jet. Le weird, ouais, tu peux le mettre derrière. Ouais, mais j'ai genre 5 j'ai 5 points d'habileté au max, donc même si j'en mets 5, je suis pas sûre. J'ai qu'une chance sur deux de réussir, quoi. Donc. Tu peux tous les mettre. À toi de voir. Désolé, les enfants, si je vole tous les points de Weird. mais je vais juste partir de ce principe-là. Que je réussis pas du tout, mais je prends un point de Weird. Mais si tu prends un point de Weird, ça sera pas suffisant non plus. Quoi? Je t'ai dit 8. Tu as fait 3. Ça fait quoi un point de weird pour moi? C'était une réussite. Ça te fait plus 1. Non, ça te fait plus 1 sur ton jeu. C'est juste un plus 1. Ah mince, bah du coup j'aurais pas du tout fait ça. Ce n'est pas grave. C'est les choses qui arrivent. Tu es en train de courir. Vraiment, tu tapes ton plus beau sprint et tu vas voir cet homme qui est tourné vers toi. Qui appuie tranquillement. Il n'a pas l'air inquiété du tout. Tu vois Amanda à côté de lui, elle est debout. Et elle a les yeux fermés. Mon bébé. Et t'es en train de courir. Tu ne le vois pas venir, mais tu l'entends, mais ça va très vite. Il y a encore un bruit de ces drones qui va te percuter. Il arrive vraiment sur le côté, te percuter. Tu vas basculer par-dessus la rambarde. Et Riley, alors que tu pars en courant avec ta batte, tu vas entendre du fracas derrière toi. Au moment où Cynthia va s'écrouler.
Et Cynthia, tu vas perdre 4 points de body. Je te les enlève. Ok. Et elle s'écroule derrière toi. Vraiment, elle est tombée de haut. Hein. La chute a été violente. Cynthia, tu perds connaissance pour le moment. Oui. Riley, quel est ton premier réflexe ? Tu entends ce drone qui passe et il a l'air de redescendre vers vous. Et tu entends le bruit des portes de l'ascenseur qui se ferment. Tandis que je vais repasser sur Earn et Scott. Voyez cette nuée de drones qui est en train d'arriver vers vous. Qu'est-ce que vous faites ? Earn, je pense qu'il faut qu'on se barre. Mais lentement. Parce que si on court, on va les agiter. Leur vision est basée sur le mouvement. Je crois que même si on marchait, on rampait ou on courait, je pense que ça ne changerait pas grand-chose. Je propose qu'on court. D'accord. Faut qu'on trouve de quoi fermer la porte une fois qu'on sera arrivé. À trois. À trois. Trois. Je cours. Trois. On court. Faites-moi tous les deux, s'il vous plaît, un jet de body. Difficulté 7. Du coup, c'est juste un dé, c'est ça ? C'est juste un dé. Vous pouvez mettre vos points d'attribut dedans avant, mais pas après. Et vous pouvez rajouter des points grâce au weird après, mais pas avant. Du coup, si on n'a pas de... Comment ça s'appelle ? De facette ? Non. Parce que j'ai pas d'attribut dans body, donc j'ai rien, quoi, en gros. T'as pas d'attribut dans body ? Attends, je regarde ta feuille. Si body, c'est ton attribut. Alors, j'ai juste body, quoi. Body, tu as 4 points. C'est pour récupérer des points. Okay. C'est pour la récup. Pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Là, tu as 4 points en body. Donc, tu peux mettre, avant de lancer ton jet, tu peux nous dire combien de points tu mets dedans. Ah, bah, peut-être 2, parce que j'ai pas envie de mettre. Je vais mettre 2 points aussi, Okay. Et puis, je verrai pour le weird après. Donc, vous diminuez votre actuel de 2 et vous me lancez tous les deux un des 6. Oups, attends, je l'ai posé dehors. 2. Et... Oh non ! Mais non ! Mais Scott ! Ok. Effectivement, étant donné que Earn justement te dit « il y a 3, on y va », et d'un coup il dit 3, il se barre en courant en tenant son fils, ça fait que ça t'a pris un petit peu par surprise, donc tu vas un petit peu déraper, glisser. Et tu vas ressentir une très forte douleur dans le dos au moment où il y a une petite aiguille qui se pointe vraiment juste au-dessus de ta hanche droite. Et tu vas sentir tous tes muscles se crisper d'un seul coup et t'écrouler au sol. Celui qui était juste au-dessus de vous a levé un de ses petits bras mécaniques et a tiré une sorte de taser. Tu vas perdre 2 points de body. Alors que tu te secoues au sol, vraiment, t'es en train de trembler. Earn, tu vois ça. Qu'est-ce que tu fais ? Je vois les drones qui se rapprochent. Ah oui, mais pour l'instant, c'est juste celui qui était à côté de vous. La nuée, elle est plus loin. Elle approche à grande vitesse, mais tu vois que Scott s'est écroulé au sol. Il est vraiment... t'as l'impression qu'il fait une crise d'épilepsie, quoi. Je dis, Cody, cours, va te cacher. Va te cacher dans le hall. Et j'essaye de courir en bas. Je veux pas y aller tout seul. Cache-toi dans un coin, j'arrive. Je vais chercher Scott. J'essaie de montrer une cachette le plus rapidement possible. Et puis moi, je cours en direction de Scott. Ouais, d'accord. Très bien. Je vais rien te demander. Ça marche. Tu cours pour récupérer Scott. Tu vois que clairement il a été électrocuté en fait. Est-ce que tu fais quoi ? Tu l'attrapes directement ? Tu vois ce fil qui part du drone ? Je sors une peinture que j'avais prévu pour d'autres choses. Et si jamais je vois un des drones, je l'asperge, mais je m'occupe plutôt de prendre. Il y a celui qui est accroché à Scott en fait, par ce fil. Ouais, écoute, j'envoie une petite dose de peinture sur le drone et je prends Scott sur le bras et hop.
Ok, il est accroché, il ne bouge pas pour l'instant, il est tourné vers Scott. Je vais te demander un petit jet de body, difficulté 4, s'il te plaît. Ok, allez, c'est pour Scott, je vais dépenser un point. Ouf, c'est bon. Ouais, tu arrives vraiment, tu fonces, tu mets ton coup de spray et tu arrives à attraper Scott, voire même à le décrocher de cette petite aiguille. Il a l'air relativement inconscient, il a les yeux ouverts, mais franchement, il est plus avec nous pour le moment. Raconte-nous comment tu l'embarques, comment tu l'emmènes et où est-ce que tu l'emmènes. Ah, mais je le prends comme un sac à patates, hein, je cours. Hein. Puis je vais en direction de là où j'avais dit à Cody de se cacher, et puis on essaie de soit de se planquer si on n'a pas le temps, soit de se barrer en fait. Pour refermer la porte du parking, tu vois. Enfin, je sais pas trop comment ça se présente, mais... Eh ben, c'est une porte coupe-feu que tu vas avoir, que tu peux passer. Sans trop de problèmes. Ouais. Tu sais que ton fils l'a déjà passé juste avant, c'est là que tu l'as envoyé, ça renvoie vers l'intérieur du magasin. Bah j'y vais, sans réfléchir. Très bien, Scott, tu vas être pas mal secoué derrière. Ouais. Tu passes cette porte, Ern, tu la refermes derrière toi. Limite je jette Scott, hein, c'est un peu désolé, je referme la porte en brut. Scott, ça va te secouer, tu vas reprendre un petit peu conscience, hein, tu as mal partout. C'est vraiment, t'as l'impression d'avoir des courbatures, comme si t'avais fait une énorme séance de sport là juste avant. Et tu vois, t'as perdu connaissance pendant un moment, tu as repris connaissance sur son épaule, là il te jette au sol, t'as mal partout, tu le vois qui bloque la porte comme il peut. Je pense que je suis incapable de parler, hein, donc je gémis au sol. Scott, réveille-toi, putain, Scott. Ça, je donne des petits coups de pied, mais pas méchants, tu sais, histoire de me réveiller, tu vois. Puis, bah, je ferme la porte coupe-feu comme je peux, quoi. Si t'as un truc comme ça, j'essaye de le caler. Ça marche. Tu vas réussir à caler la porte. Vous n'entendez plus de bruit derrière, de toute façon. Même les vrombissements des drones, qui commençaient à s'approcher par là, se sont tus. Et je regarde où Cody. Il n'est effectivement pas là. Est-ce qu'on peut supposer qu'on a un signal entre père et fils ou pas, tu sais, un code, je sais pas. Si tu veux, qu'est-ce que tu imagines là comme ça? Comme Ern est fan des Chicago Bulls, genre Michael Jordan, c'est un code pour dire il va nous arriver un truc cool, tu vois. Genre je t'emmène manger un gâteau ou je t'emmène au sport ou un truc comme ça, tu vois. Ok, donc laisse-moi peindre le tableau là un petit peu. Vous venez de faire une course effrénée, Scott vient de se faire électrocuter, il est encore au sol. Tu lui as mis des petits coups de pied dans les côtes, en train de se relever avec toi qui va à droite à gauche en criant Michael Jordan comme un désespéré, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Très bien, parfait. C'est un petit peu ce que j'avais en tête. Ton rassurant le plus possible, j'essaye. Scott, qu'est-ce que tu fais? Clairement, tu vois, c'est un peu la panique chez Ern, même s'il essaye de se montrer bien. D'ailleurs, je vais te demander un petit jet de soul, Ern, s'il te plaît. Difficulté 6. Ok. Je vais dépenser un coup. Alors moi, clairement, je suis juste en train de me demander pourquoi il m'a foutu des coups de pied et pourquoi il écrit le nom de Michael Jordan, en fait. Pardon. C'est lui le grand méchant. Scott, t'es perdu. Oh, mais c'est léger, là. C'est beau. Parfait. Incroyable. Ça va. Tu arrives à maintenir cet état de panique un petit peu en dessous. Tu sais que t'as des choses à faire, il faut que tu le retrouves. Et ça arrive
à te garder le plus alerte possible. Tu maintiens ta panique d'une main de fer pour le moment.